Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien accrochés car la planète foot a été frappée par un énorme tremblement de terre hier. Alors que le PSG traverse l'une des pires crises sous l'ère QSI, Lionel Messi a séché l'entraînement de lundi pour se rendre en Arabie Saoudite dans le cadre d'un partenariat. Un acte réalisé en connaissance de cause par l'Argentin malgré le fait que ce dernier n'ait pas reçu l'autorisation de son club. Résultat, le PSG a décidé de frapper très fort en suspendant 2 semaines le septuple Ballon d'Or. Le champion du monde 2022 ne pourra ni jouer ni s'entraîner et ne sera également pas payé pendant toute la durée de cette sanction. Le journal L'Équipe évoque la rupture entre les deux parties dans son édition du jour. Et pour cause, alors que Doha espérait toujours prolonger Messi, la décision de suspendre l'Argentin pour son voyage en Arabie Saoudite marque sans aucun doute la fin de son histoire avec le PSG. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe dans l'Hexagone, qui risque donc de ne plus revoir Léo Messi fouler les pelouses de la Ligue 1 la saison prochaine. Le quotidien Le Parisien raconte les coulisses de cette décision incroyable en évoquant un divorce pour faute. Le Progrès relaye également cette information dans ses pages intérieures, mais si la suspension du divorce, écrit le quotidien régional. La Provence se régale de son côté de ce nouveau couac au PSG dans ses pages intérieures. A noter toutefois que le club parisien n'a pas encore communiqué officiellement la sanction, mais la direction du PSG par la voix de son président Nasser Al-Khelaifi a certainement tenu à faire passer un message avec cette sanction. Aucun joueur n'est au-dessus de l'institution. Et vous vous en doutez certainement, ce véritable raz-de-marée déferle bien au-delà de nos frontières. En Espagne, tout d'abord, le pays d'adoption de l'Argentin, on accueille cette nouvelle comme une véritable bénédiction, même si la presse espagnole ne le dit pas ouvertement. Le journal Sport écrit sobrement dans son édition du jour, le PSG rompt avec Messi. Dans ses pages intérieures, le quotidien catalan va un peu plus loin dans les détails, explique que le PSG écarte Messi et décide de ne pas le renouveler. En Argentine, où Messi est prophète en son pays, ce divorce est perçu comme un affront envers le meilleur joueur de l'histoire. Tous les médias argentins font leur une dessus, à l'image d'Olé qui parle de la sanction. El Dia évoque ce scandale alors que la Nation est encore plus virulente. Lionel Messi s'éloigne du Paris Saint-Germain, des propriétaires en colère, jaloux de leur autorité, écrit le quotidien argentin. Plus globalement, l'Europe entière relaye cette bombe. En Allemagne, le média Bild placarde la suspension de la Pulga. Messi en Arabie, au revoir PSG, lance la Gazzetta dello Sport. Messi puni par le PSG, écrit le journal Record dans ses pages intérieures. La réponse du principal intéressé est attendue avec impatience, mais une chose est sûre, que ce soit pour le PSG ou pour Léo Messi, cette sanction fera date dans l'histoire. Allez, on ferme cette grosse page Messi pour évoquer les résultats de la veille, et il y avait de bien belles rencontres au programme avec notamment le match en retard de la 33e journée de Ligue 1 entre Toulouse et Lens. Et comme le placard de la Voix du Nord ce mercredi matin, c'était service minimum à Toulouse pour Lens avant la finale face à Marseille samedi. Les hommes de Franck Hez l'ont emporté 1-0 grâce à un but de l'inévitable Luis Openda, auteur de sa 18e réalisation de la saison. Le journal L'Équipe rend hommage aux Belges dans son encart. Le TFC, qui est encore sur son nuage après son succès en Coupe de France, a aligné une équipe bis qui a bien embêté les 100 et or, qui ont toutefois assuré l'essentiel, à savoir se rapprocher de l'OM à quelques jours du choc décisif pour la 2e place. Le journal La Provence considère d'ailleurs que Lens est prêt pour la finale contre l'OM. Rendez-vous samedi 21h pour l'un des chocs de cette fin de saison en France. Allez, on file en Angleterre avec l'un des derbys londoniens les plus électriques qui opposait hier Arsenal à Chelsea. Si cette affiche est un classique du football anglais, ce n'est pas vraiment le cas cette saison tant les Blues galèrent. Et ça s'est vérifié hier avec une victoire 3-1 des Gunners. Les hommes de Mikel Arteta sortent la tête de l'eau après la claque reçue face à Manchester City et entretiennent surtout l'espoir. Le Daily Star résume d'ailleurs parfaitement l'état d'esprit actuel. « Jamais un Gunner t'abandonnera », écrit le tabloïd anglais. C'est globalement le message qu'a tenu à faire passer la presse anglaise ce matin. « Nous Gunners, nous nous battrons jusqu'à la fin », lance par exemple le Daily Express. Vous avez certainement remarqué que le prodige Odegaard est présent sur toutes les unes, et pour cause, le milieu offensif norvégien a brillé avec un superbe doublé, 2 buts copie conforme. Le Daily Mail se demande même si les supporters ne sont pas pour Arsenal à cause de la Norvège. Avec ce succès, Arsenal reprend provisoirement la tête de la Première Ligue. Manchester City compte toutefois 2 matchs de retard. En Espagne aussi, ça jouait hier, on peut clairement dire que le FC Barcelone est presque champion. En tout cas, le journal Sport ne se gêne pas pour le dire. En supériorité numérique pendant une bonne partie du match, le FC Barcelone a attendu les dernières minutes pour faire craquer Osasuna. Et comme un symbole, c'est un historique du club qui a inscrit le but du championnat, comme l'écrit le Mundo Deportivo. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Jordi Alba qui vit pourtant une saison relativement compliquée. Les Sportifs placardent aussi la joie de l'Espagnol sur sa une. À l'issue de cette 33e journée de Liga, le Barça compte 14 points d'avance sur le Real Madrid qui a chuté hier face à la Real Sociedad. La version basque du Mundo Deportivo lâche un petit tacle au madrilène ce jeudi matin en affirmant que le vrai Real a gagné. Sans son duo Benzema-Vinicius, le Real Madrid s'est incliné 2-0 et le japonais Takefusa Kubo a notamment scoré contre son ancien club. Pour le journal AS, les Merengues avaient déjà la tête à la Copa. Le Real Madrid affrontera samedi Osasuna pour la finale de la Coupe du Roi.
Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Italie avec une information mercato qui concerne l'Inter. Vous l'aurez reconnu sur la une de la Gazzetta dello Sport, c'est de l'avenir de Lautaro Martinez dont on va parler. Et difficile de faire plus explicite que la une du célèbre journal au papier rose qui placarde un message clair, Lautaro reste ici. L'Argentin qui réalise une grosse saison avec l'Inter est très courtisé sur le marché des transferts. Manchester United et Tottenham le suivent notamment de très près. On parle même d'une offre de 75 millions d'euros de la part des Red Devils. Mais l'Inter ne veut rien entendre, alors que les Nerazzurri s'apprêtent à perdre Lukaku qui va retourner en prêt du côté de Chelsea, le club italien ne veut absolument pas perdre son fer de lance. L'Inter veut construire son projet autour de Lautaro Martinez, les prétendants sont prévenus. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, à tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato et dans un instant sur notre chaîne Twitch pour débriefer cette revue de presse.